Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est avec la fameuse sculpture d'alligator de Beauregard qui étrangement perd des bulles alors qu'il n'y a pas de source d'air, ou alors elle se décompose peut-être. C'est des grosses bulles quand même. Mais bon, peut-être pour que le jeu nous montre ça pour nous donner envie de s'approcher de la zone, mettre des bulles, ça attire un peu l'attention. On est en train d'explorer la deuxième, c'est la deuxième zone, si je dis pas de bêtises, dans lequel on vide un les coffres de nutriments. Et d'ailleurs, je vais peut-être louper un truc là. J'ai loupé un truc, c'est peut-être un coffre de nutriments. Ou alors les points de repère, bref, ça nous fait monter un peu de niveau. Ça permet d'avancer sur le... Ça augmente l'avancement de la zone. Progression. Quite a strange conglomeration of stuff will end up in the stomachs of sharks. On va aller voir également là-haut. Je vais pas aller voir, j'ai pas l'impression qu'il y ait de zone réservée au très haut niveau avec des grilles. Ah, j'ai loupé un truc. On va aller voir. J'ai pas choisi le chemin le plus facile, mais c'est pas grave, on y va. Someone should have taken a gun safety class. Bon, ils sont tous les trois noyés, même s'il y en a un qui a l'air d'avoir tué son pote. Man's tendency to anthropomorphize them into lovable cartoon characters belies the fact that sea turtles are ornery creatures that can bite through bone. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur la fin de la carte par là. C'est moins détaillé. En fait, c'est pas que je me suis fait mordre, c'est mon skin qui est comme ça, je crois. Je l'avais pas avant, donc il y a un... il y avait un oiseau dans l'eau. J'ai l'impression. Oh, un autocollant. Un facile. Alors un petit coup de radar pour voir si on trouve des choses, et sinon on retourne au panneau que j'ai loupé. Alors, comment je vais là-dedans, moi? Ah, là, il y a une zone plus basse, même très très basse. In spite of their reputations as wrestlers, alligators haven't mastered the nuances of scientific holds like the figure four. Pas de coffre. Non. Bon, j'ai l'impression qu'on a quand même plus ou moins fait le tour. Où est-ce qu'il est mon point? Là-bas. In 18th century America, turtle frolics were popular gatherings where guests ate turtle stew and perpetuated the institution of slavery. Mm-hmm. Si vous le dites. Alors, c'est une grotte.
avec des barracudas. Dévoré. L'air d'en avoir un paquet. A stalking shark is a mysterious ballet governed by unknowable agencies. Ah, celui-là il rapporte des les composants les plus rares apparemment. Les vers. Rock 150 nutriments verts. Il y a vraiment plein de choses à manger là-dedans. Part of what conjures the alienness of the shark is its lack of a skeleton. Encore plein de bestioles et un corps. This shark is a sort of super scavenger, completely lacking in what may be called dietary discrimination. J'ai plutôt fait le ménage et collecté plein de trucs. J'ai fait le tour, il n'y a plus rien. On dirait que c'est bon. Donc ça a pas l'air d'être une grotte comme les autres. Retournons au sud. Hop là, nickel. 78%, on a bien amélioré notre progression. Alors, il y a un alligator qui nous cherche des noises. Mais ils ne peuvent plus me croquer et moi je peux les croquer. Croquer. Ils rapportent pas tant que ça par rapport à leur la difficulté de les avoir, les alligators, je trouve. Enfin, la difficulté devient de plus en plus réduite au fur et à mesure que je grossis. Alors le petit poissonou, c'est réglé. L'alligator, ça va pas tarder. Alors, je voulais passer par là. L'eau est pas très claire. Thank you.
Ah, mais c'est ma grotte, ça. On peut y retourner faire un tour. Even for sharks, it's important to create personal time for sober self-reflection. Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Ma mâchoire. Mais j'étais pas convaincu par l'utilité. Digestion de protéines. Plus de protéines et plus de santé en se nourrissant. Ah, la santé, ça m'intéresse encore plus. Régénération avec la santé. Hop. Ça, je peux l'améliorer aussi, mon sonar. Et voilà, j'ai fait le tour sur les améliorations. On est relativement avancé en fait. Par exemple, en santé, j'ai peut-être un tiers de la santé maximum. Est-ce que je peux en profiter du fait que je suis dans une grotte pour aller vers un point rapide? Porte de Keakarevea. Ou est-ce que j'essaye d'aller dans une autre zone? Ouais, le jeu est pas... Je pensais que l'aventure était plus longue. On a 78% dans une zone, 50% dans une autre, 9% dans la baie de la langouste. Là, j'ai pas été très sérieux sur les trucs à faire. On peut y retourner d'ailleurs. Et il faut être ancien pour pouvoir passer cette grille. Je me demande si c'est pas la grille de fin du jeu. J'ai plutôt envie d'aller tenter la nouvelle zone plutôt que celle du début. On sort par là. On verra si j'ai pas le niveau. Je ferai demi-tour. Des méchants coups de queue quand même. Je joue plus très sérieusement contre les alligators et je pense que j'ai tort. Donc je garde de la vie. C'est bon, j'ai de la vie. Je crois que je fais 22 dégâts à peu près. Du plus 2, c'est raisonnable. Alors, quel est le chemin que je suis censé emprunter? Il n'y en a pas plein. Je peux tourner là? Ou c'était un peu plus... Non, il faut que je tourne là. Je pense que si c'est ça, enfin juste un méga détour. Bon, on peut prendre un raccourci. On va voir si ça passe. Sinon, si je dois respawn, ça sera un rallongé, clairement. Examinons ça. Un jet ski, j'ai l'impression qu'il y a des bordures partout. Ah, j'étais déjà venu à cette grille. Et bah, c'est où le jet ski? Et de l'autre côté? Normalement, il y a une façon de passer. Pas évident pour moi. Ou un truc à activer ou...
Tu peux pas détruire la porte, je pense. Elle a l'air beaucoup trop forte. C'est un élément qui est mentionné sur la carte, donc peut-être qu'on peut avoir quelque chose dessus. J'ai pas trop l'impression. On est dans le bayou de Fantic. Ok. Je sens que je vais être déçu. Passe pas, hein, là il y a des grilles. À chaque spot, il n'y a pas de trou. Théoriquement, je peux passer au-dessus, mais. Pour ça, il me faudrait vraiment. Une taille incroyable. Ah là, c'est pas si long. Faut tenter. Ça va piquer. Hop, il y a une barrière invisible. C'est terrible ça. La barrière invisible. Depending on its mood, a shark can be slow and cunning or quick and terrifying. Alors, ah, j'ai cru qu'elle était dans le mur carrément. Eh bien, j'ai le seum, mais c'est pas là qu'on passe visiblement. Ou alors il faut savoir faire des sauts de dingue, ce qui n'est pas mon cas. Des créatures dangereuses, créatures dures à mordre peut-être, mais dangereuses je dirais pas. Alors, où est-ce qu'on va du coup là? On va retourner dans notre zone du début. Tenter de choper tous les trucs que j'ai zappés. Après, j'essaierai peut-être d'aller dans la quatrième zone où je retournerai dans le lac des chevaux morts. On a des trucs un peu plus costauds que des alligators. Ouais, c'est déjà costaud les alligators, je les évite quand même. Il faut que je me concentre quand je les mange. Contrairement au Massing Tonké. Je suis sûr que j'écorche le nom. Mais vous m'avez compris, les petits poissons agressifs. Mackintongé. Mackintongé, j'ai même oublié un petit bout de mot. Alors, je suis censé. Attendez, j'y suis là? Non, je suis pas du tout. Je peux tenter le raccourci. Va peut-être piquer. J'abuse un peu sur les raccourcis de temps en temps. Il y a de l'eau là. Mais c'est pas assez profond. Saute, saute, saute. Ok, ancien. Bon, enfin, c'est la zone de départ, non? Ah non, tu me refais pas le coup. Si, il me refait le coup. Là, il y a clairement une zone où je peux passer, mais t'as décidé que c'était une zone pour la fin. D'accord.
Pas gentil. Donc j'ai pas accès à cette zone, la baie de la langouste. J'ai pas accès à la porte à caviar. Je peux tenter là-bas, le lac des chevaux morts. Et là, faut que je tue des mérous, mais je sais pas exactement comment accéder à cette zone. On va y retourner. Alors, je pensais pas me faire jeter de la zone des débutants. Peut-être pour me réserver un combat avec le boss final. Qu'ils ont réservé la zone entière, mais du coup, ça me fait des coffres que j'ai pas pris au début, que j'ai pas. Skin tanké pour régénérer. Pas les alligators encore. J'oublie rien sur le chemin? J'ai pas l'impression. Alors on va retourner. Killing a sea turtle carries a criminal penalty of up to $100,000. But sharks are notorious. Hunger is a driving force for the bull shark. Il dit que tuer des tortues, ça coûte cher en amende. Et moi, ça va. Je suis un. C'est mon aliment naturel. Donc j'ai une exception. Fish are bottom feeders, so in eating them, sharks consume quite a variety of revolting and unmentionable things. Je peux pas passer par là. Où suis-je? Ouais, je suis allé trop loin. C'est là qu'on doit passer, non? Ça se trouve, c'est ça la zone auquel ça paraîtrait plus ou moins logique. En tout cas, on va passer par là plutôt. C'est pas là. Il y a une ouverture dans le mur quelque part, je suis déjà passé. Ou alors en souterrain peut-être. Je ne me souviens plus. Ah, ça a l'air d'être un souterrain. A water's murkiness or turbidity can significantly raise the risk of a shark attack. Several grouper have made a home near the retired nuclear cooling towers. This is a great opportunity for the shark to test the theory that exposure to gamma rays gives you superpowers. Les voilà, le tunnel et les poissons. Alors, j'ai un alligator. Que je vais gérer le 2v1. Hop là. Et maintenant je peux manger des mérous tranquilles. Ils n'ont pas l'air très effrayés devant un requin. Dévorer leurs semblables. Ah, il y a des choses.
have made a home near the retired nuclear cooling towers. This is a great opportunity for the shark to test the theory that exposure to gamma rays gives you superpowers. Meru Albinos. Un barracuda qui veut m'embêter là? Je crois qu'on s'est pas tout à fait bien compris, mon petit gars. On m'embête pas. Encore des bestiaux en souterrain. Il y a un alligator quand même. Faut aussi juste l'éviter. On va voir où est-ce que ça nous mène. Dans un vrai réseau de souterrain. This protein supplement has zero additives, so the shark doesn't have to worry about hidden artificial colors or flavors. Il y a plein de mérous. Bon, je me balade dans les galeries. Est-ce que je risque de me perdre? Oui, clairement. On va dire que c'est pas grave. Aussi. The predatory scavenger is often quite content to dine on whatever wastes fall to the ocean floor. Les mérous me rapportent 48 et les poissons chats me rapportent 96, c'est une vague. 48. Ou alors j'ai tué un gros poisson sans m'en rendre compte peut-être. Où est-ce qu'on est sur la carte? On est là, ok. Alors il y a un je sais pas quoi. Enterré. Mais la forme on dirait un autocollant. Oh, on peut descendre encore plus profond. Allons-y. Choc. Je sais pas pourquoi il y a autant de galeries aussi profondes. Bull sharks have a habit of gobbling up anything that finds its way into the water. Ok, je pense qu'on a fait le tour par là. À ce niveau-là, je viens bien d'aller deux tunnels, mais je ne sais pas lequel. Il n'y a rien de spécial ici. Peut-être parce que j'ai déjà pris le coffre. On va remonter. Ça ressemble à la salle où j'étais de base. Deux tunnels qui mènent vers l'extérieur. On dirait que c'est ça. Ok. 60%, 80.
Apparemment, il y a des poissons par là. Avec un alligator, comme d'hab. Ah, il y a pas mal d'un barracuda aussi. The fish takes quick evasive action. Alors les mérous, ils ont bougé un peu. C'est pas un mérou, c'est un poisson chat. Oh, laisse-moi tranquille, saleté. On est bon, non? C'est bon. Opinion nucléaire. C'est ça que je dois détruire? Ah, je pourrais régénérer en croquant les humains aussi. Eh bien, c'est réglé. Point suivant. Il y a un truc là-bas. Probablement caché derrière les grilles adultes. Probablement un coffre. Très bien. Ah, mais il y a d'autres choses par là. J'ai l'impression d'avoir découvert une nouvelle zone. J'étais passé par ici. Je suis passé trop vite. Ah, si c'est des autocollants. Oh, c'est normal que je les ai pas attrapés à cette hauteur-là. C'est possible, ça? Alors, je sais pas s'il vaut mieux sauter d'abord. Et ensuite tenter le coup. Ouais, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. De là, de loin en plus. Requis adulte. Bon, je vais passer proche, comme ça je saurai ce que c'est. Et on va avancer. Jusque là. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour le suivant.